notre tête, c'est vrai. C'est vrai. On a envie de crème, c'était les bières qu'on aime. Sur les fraises, c'est gourmand. Sur les pommes, c'est normand. La longue conservation, vraiment, ça a du bon. C'est vrai. C'est vrai, la crème liquide, elle est vire. Une envie vraie. Oh là là, c'est malin. Le nouveau Mirecouleur peut-il vraiment enlever toutes ses taches? Le nouveau Mirecouleur est-il aussi efficace qu'une lessive classique contre les taches? Regardez, ils sont tous les deux propres, mais avec cette lessive classique, c'est tout délavé. Avec Mirecouleur, les couleurs restent éclatantes. Nouveau Mirecouleur, propreté et respect des couleurs. McDonald's vous présente le Happy Meal Turbo Max. Dans une boîte rigolote, un hamburger, des frites, une boisson 25 centilitres et un des 4 Turbo Max à collectionner. C'est parti! C'est drôle comme ça, c'est bon comme ça, chez McDonald's. Tous les jours, pour purifier votre appareil, Stéradent anti-tartre à l'oxygène actif. Stéradent, tous les jours. Ta première dans ces étoiles. Ta première Barbie. Ta première lettre. Tes premiers cadeaux. Avec ma première Barbie Mini Club, tu entres automatiquement au Mini Club et tu recevras plein de lettres et de cadeaux. Ma première Barbie Mini Club par Mattel. Vie belle, coiffe nos envies. Pour étonner, de nouveautés, un méga gel, un méga spray, fixe extra fort. Envie de folie, Vivelle en gel, Vivelle en spray. Vivelle, coiffe nos envies, coiffe nos folies. Vivelle, coiffez vos envies. Voici deux nouveaux poneys qui ont deux petits bébés. Papa, maman, bébé malin, ce sont les poneys câlins. Ils sont toujours tous ensemble, ils adorent les baisers. Les poneys câlins se ressemblent, quelle famille à aimer. Famille Gala, bouquet de cœur ou croque-la-pomme? Depuis le temps qu'on en parlait, je crois que j'ai trouvé la baraque avec le tennis. Quatre copains, une tranche d'humour et beaucoup de galères. La vie, c'est beau. Mais compliqué. Comment? J'appelle mon fils, il me raccroche au nez de sa mère. Qui c'est quel type antisémite? Toi? Est-ce que c'est fini, oui? Pas mal? Alors, comment trouvez-vous ma maison? Humide. Rochefort, Brasseur, Bedos, Lanoux, ils iront tous au paradis sur la Lune. Restez avec nous et découvrez vos héros et des tas de cadeaux avec le choix Disney Fanta. Vous voyez que je regarde Disney Parade dans d'excellentes conditions, hein, Mickey, chaque dimanche après-midi, chez lui. Nous allons retrouver la deuxième partie des aventures du professeur Tête en l'air dans quelques instants. Mais d'abord, et c'est une tradition, je vous propose de suivre le seul journal télévisé qui ne donne que des bonnes nouvelles, c'est le nôtre. Il est présenté par Pilou et Julia. Les titres du journal. Reportage Disney, suite de la visite des studios MGM. Sortie de l'aventure intérieure en vidéocassette. Les animaux et nous, l'échouage des dauphins. Bonjour Pilou. Bonjour Julia. Tu te rappelles, la semaine dernière, je vous ai fait découvrir les studios Disney MGM. Alors, pas de temps à perdre, notre guide nous attend. Nous sommes au studio MGM Disney. Au canyon de la catastrophe, vous vous trouverez en pleine action parmi d'énormes explosions et inondations. Ici, vous découvrirez que ces bateaux roulés par la tempête ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Le nom de Disney a toujours symbolisé une animation classique de qualité. Vous verrez aussi comment on fait des dessins animés, depuis l'idée originale en passant par les animateurs à leur table de dessin. Vous pourrez
voir des films et des spectacles télévisés. En utilisant des décors situés n'importe où, aux États-Unis, le long d'une rue résidentielle ou sur les trottoirs du vieux New York. Des effets spéciaux, des effets sonores. Participer à tout cela, c'est le monde de la magie du cinéma au nouveau studio Disney MGM en Floride. Restons dans le domaine du cinéma et raconte-nous, Pilou, le début de ce film, L'Aventure Intérieure, qui vient de sortir en vidéocassette. Tout va mal pour le lieutenant Tuck. Sa fiancée l'a plaqué, son armée l'a trahi. Pour se consoler, il se porte candidat à une expérience scientifique assez périlleuse. Regarde. Détection malignité exogène. Réserve d'oxygène à 20%. Danger, pressurisation irrégulière. Turbopropulseur 1 hors service. Oxygène raréfié, facteur 6. C'est moi qui conduirai cette voiture. Tu n'es qu'un misérable clopeur. C'est moi qui donne les ordres. Jack, débarrasse pas ce Minus. Je te tuerai. Ok, on va s'amuser. Oh, ça a l'air vraiment super ton film. Dès demain, je vais dans un vidéoclub louer la cassette. À moins que mes parents me l'offrent. Alors qu'il dînait dans un restaurant de Los Angeles, Columbo a laissé tomber son œil de verre par mégarde dans sa soupe. Une cliente assise à la table d'à côté s'est évanouie et le lieutenant Columbo, pour se faire pardonner, a offert une bouteille de champagne. La taille moyenne des Chinois était de 1m64 en 1949. Aujourd'hui, elle est de 1m67. À ce rythme-là, ils seront peut-être un jour les plus grands du monde. Les dauphins vont-ils tous finir empaillés dans les musées ? On pourrait le croire, tellement ils sont nombreux à venir s'échouer sur les plages. Ici, sur la côte de Dakar au Sénégal, des dizaines de mammifères marins ont été retrouvés. Ce n'est pas la première fois. Pendant longtemps, on n'a pas su ce qui pouvait provoquer de telles catastrophes. Les chercheurs du monde entier se sont penchés sur ce problème et commencent à avoir leur petite idée. À La Rochelle, le Centre de recherche sur les mammifères marins analyse toutes les informations qui parviennent sur les échouages collectifs. Généralement, il s'agit d'animaux dont les leaders sont blessés et lorsqu'ils échouent sur les plages, l'ensemble du groupe les suit et tous en meurent. Récemment, plus de 500 cadavres de dauphins ont été retrouvés sur la côte atlantique et l'on pense de plus en plus qu'il s'agirait des conséquences de la pollution. Notre bulletin météo. Actuellement, il y a une série d'éruptions sur le soleil. Le ciel prend des couleurs magnifiques. Bleu, rouge, vert, c'est ce qu'on appelle une aurore boréale. Ce journal est terminé, mais maintenant, on retrouve tous les copains de Walt Disney avec Jean-Pierre Foucault. Au revoir! Julien, merci beaucoup. Pilou, évidemment, merci beaucoup pour ce journal que nous retrouverons dimanche prochain dans Disney Parade. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un journal où on est de meilleure humeur après qu'avant. Ça devrait être ainsi pour tous les journaux. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Maintenant, peut-être le vôtre aussi. Nous allons retrouver la deuxième partie des aventures du professeur tête en l'air avec son caoutchouc volant, plus léger que l'air, son ordinateur, etc., etc. Regardez, c'est pour vous. Je vous félicite, c'est un beau campus, mais soyons honnêtes, ce n'est pas lui.